Presque du direct, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Gérard Collomb a donc quitté son ministère hier, remplacé provisoirement par Édouard Philippe. Bonjour Gérard Collomb. Libéré, je ne reviendrai plus jamais. Ah, franchement, quel soulagement d'être parti. Je vais retrouver Lyon à moi là. La belle vie, disons-le, à 71 ans. Oui, j'ai l'impression, je vous le concède. Oui. Je vous le confie, de redémarrer une nouvelle jeunesse. D'ailleurs, monsieur Aliagas, oui. J'aimerais, hors antenne, qu'on me transmette les coordonnées de Lily Mamiroc. C'est depuis que j'ai quitté Emmanuel, je suis un cœur à prendre. Emmanuel ? Oui, Emmanuel. Et quel Emmanuel ? Oh, ne faites pas l'innocent. Excusez-moi, ce que je voulais dire, c'est que... Oh là là, mais qu'est-ce... Oui, non, pardon, parce que j'ai chopé la mort. On m'a... Mais monsieur Apathy le sait, on m'a laissé poireauter de façon éhontée hier. 10 minutes dans le froid. Oh, mais... C'est normal, fallait être là pour attendre votre successeur. Ouais. Allez, vous parlez de la passation de pouvoir avec Édouard Philippe, donc hein, il est arrivé effectivement avec 10 minutes de retard. Ouais. On vous a dû attendre dehors, tout seul. Bon, écoutez, je suis sûr qu'ils l'ont fait exprès pour que j'attrape la grippe. D'ailleurs, quand j'ai dit à Édouard Philippe que j'avais été très honoré d'avoir servi son gouvernement, il m'a répondu. Ah non, mais Excusez-moi. Et il m'a répondu de façon très sèche. Pourquoi ? Parce qu'il est jaloux de me voir vivre la grande vie à Lyon et lui rêve de retourner au Havre. Non, ceci dit, rêver du Havre, c'est un peu bizarre comme rêve. Bon, écoutez, vous vous êtes vu avec... Et on salue, bien sûr, nos auditeurs. Bien sûr, on embrasse, voilà, toute la Seine-Maritime, d'ailleurs. Dites-moi, vous vous êtes vu avec Emmanuel Macron avant de partir ? Oui, bien sûr, je lui ai, comme il se doit, rendu ses affaires, je lui ai restitué son appareil raclette, lui m'a rendu mon mixeur à smoothie et mes DVD de l'inspecteur Derrick. J'ai encore quelques cartons, j'en discutais avec M. Apathy, quelques cartons avec mes affaires qui sont chez lui, j'irai les reprendre quand nous voir nous fera moins de mal à tous les deux. Oh, merci Gérard Collomb. On a vu les images tourner en boucle. La police a procédé à une perquisition au domicile de Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon, bonjour, ça va mieux qu'hier ? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? C'est la police ! Ne me touchez pas, madame ! Madame, ne me touchez pas ! J'incarne la République ! Laissez-moi rentrer dans mon local, madame ! Ouh là là là, c'est le vôtre ! J'en ai rien à foutre ! Il est encore sous le choc ! Poussez-moi ! Poussez-moi ! Allez, sous le choc encore, hein, Jean-Luc bien. Mélenchon, ce matin. Alors, comment s'est passée cette perquisition ? Bah, devine, mal, forcément. J'étais victime, tout le monde l'a vu, de victime de violences policières de la part d'une miniche politique. Une perquisition fasciste, disons-le, une rafle de mes affaires personnelles. C'est une méthode, je vous le dis, monsieur Aliagas, dégueulasse. Mais ils ont pris quoi comme affaires personnelles ? Et ma collection complète des œuvres de Karl Marx, poster dédicacé, dédicacé de Georges Marchais, et mes DVD érotiques du Front de Gauche. Des DVD érotiques du Front de Gauche ? Mais c'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre ? C'est quoi ça ? Des films, oui, c'est des films, les Insoumises, Notre-Dame des Glandes, voilà. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'intéresse que Aliagas, on n'a rien à foutre. On n'a pas à me prendre mes documents privés, je le dis, nique la police, nique la justice, nique le procureur de la République, j'y ai pare-balles ou pas ? Attendez, les DVD, les Insoumises ou Notre-Dame des Glandes. Allez, répète à l'antenne, fais monter l'audience, vas-y. L'équipe de France a battu les Pays-Bas hier soir de 2-1, une victoire scellée par un but d'Olivier Giroud. Bonjour Didier Deschamps. Didier Deschamps. Oui, bon, va falloir arrêter vos conneries quand même, la technique. Oui, bonjour à votre collectif. Écoutez, non, c'est vrai que ça fait du bien qu'Olivier marque ce but. Hein. Il attendait depuis si longtemps. Hein. Nikos le sait, il n'avait pas marqué. 10 matchs, je vois qu'il tient les statistiques à jour. Non, il n'avait pas marqué pendant la Coupe du Monde.
monde, vous vous souvenez. On avait eu des buts de Mbappé, de Griezmann, de Varane, de Pavard, du kiné, du cuistot, du chauffeur du bus, de ma belle-sœur, mais pas de, d'Olivier Giroud. Et là, il a marqué pour faire gagner l'équipe. Voilà, la Coupe du Monde se terminait le 15 juillet, et là, il marque le 9 septembre. Non, il n'y a pas de quoi rire, monsieur Abiker, vous savez, c'était quand même en Russie, c'est le jet lag, ça, il était un peu décalé. Bon, il est encore un peu en Russie, notre Olivier Giroud. En tout cas, ça prouve que j'ai eu raison dans mes choix de sélectionneur. J'ai eu du pif en le sélectionnant il y a 6 ans. Ça a fini par payer. Allez, on va terminer avec l'annonce de la candidature à la mairie de Barcelone par Manuel Valls. Il travaille activement sur son programme. Monsieur Valls, vous êtes en duplex de Barcelone. Si. Olé, que t'as roulé. Un, dos, tres, un pasito bailar de Maria. Et comme vous le savez, oui, para bailar la bamba, necesito un poco de gracia. Si. Bon, on sait que vous parlez espagnol, mais on voulait avoir votre programme pour Barcelone. Eh bien, mon programme est simple, vous le savez, installation de vélo, oui, en libre-service, Las Velibes. Et aussi des trottinettas électricas. Et fermetura des voies sur Berjas. Bah, dites-moi, c'est pas le programme d'Anne Hidalgo pour Paris, ça? Oui, bah écoutez, je vais tout vous dire. Comment voulez-vous que j'ai une idée intéressante pour Barcelone? Je n'y ai jamais mis les pieds. Alors oui, je l'assume, j'improvise, Madame Julie, mais... Attendez un petit peu de voir, mon projet de Barcelona plage. Oui, je vais déverser des tonnes de sable le long de la plage. Bon, oui, là, bon, ça ne marche pas, mais j'espère que ça ne va pas trop se voir que j'improvise. Ça se voit un petit peu quand même. Hein. Nicolas Canteloup, avec Julie tous les matins à 8h40, on massifie les auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demont.